nouvelle vidéo sur les exercices fondamentaux à maîtriser avec la fonction exponentielle. On me demande de calculer la dérivée de la fonction f qui est définie sur r par la relation f de x égale à moins exponentielle de x plus 1 facteur d'exponentielle de x plus 3. Mettez la vidéo en pause, faites ce calcul-là de dérivée et observez ensuite la correction qui arrive. Donc la fonction f est définie ainsi. Pour calculer sa dérivée, on reconnaît qu'elle est sous la forme d'un produit. Donc on a f sous la forme d'un produit u fois v avec u de x est égal à moins exponentielle de x plus 1 v de x est égal à exponentielle de x plus 3. On peut calculer u' de x, la dérivée de cette fonction-ci. La dérivée d'exponentielle étant exponentielle elle-même, u' de x est égal à moins exponentielle de x, la dérivée de 1 s'annule, et v' de la même façon est égal à exponentielle de x. On sait que la dérivée d'un produit s'écrit u'v plus uv'. Ça vous coûte rappeler la formule telle qu'elle sur votre copie. Donc, on va appliquer maintenant, un peu bêtement, cette relation. F' de x est égal à u', donc moins exponentielle de x, facteur de v, exponentielle de x, plus 3, plus u, donc moins exponentielle de x, plus 1, facteur de v', exponentielle de x. Une fois qu'on en est là, l'idée va être de simplifier cette écriture de f', et si possible de faire apparaître un produit, puisque souvent, dans une dérivée, on doit étudier son signe. Donc, avoir le signe d'un produit est souvent plus facile, donc on va développer cette exponentielle, moins exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc le produit de 2 fois l'exponentielle, ça va faire exponentielle de 2x, donc le c'est moins exponentielle de 2x, moins exponentielle de x fois 3, ça fait donc moins 3 exponentielle de x. Ici, moins exponentielle de x fois exponentielle de x, ça fait moins exponentielle de 2x, et une fois exponentielle de x, plus exponentielle de x. On a donc, au total, des exponentielles de 2x, on en a ici et ici, moins exponentielle de 2x, moins exponentielle de 2x, on a donc moins 2 exponentielle de 2x, et des exponentielles de x, on en avait ici, et là, moins 3 plus 1, il me reste moins 2 exponentielle de x. Il y a déjà une factorisation par moins 2 qui est évidente, mais même plus que par moins 2, puisqu'on sait qu'exponentielle de 2x est exponentielle de x fois exponentielle de x. Dit autrement, ceci peut s'écrire, cette expression peut s'écrire moins 2 exponentielle de x fois exponentielle de x, et on voit le facteur commun qu'on peut souligner comme on faisait au collège, moins 2 exponentielle de x en facteur à gauche, moins 2 exponentielle de x à droite, facteur de 1. Du coup, ma dérivée s'écrit sous forme d'un produit, moins 2 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x, plus 1. Si je devais étudier le signe de cette dérivée, qui n'est pas question qui n'est pas posée ici, mais qui serait naturelle dans un exercice de ce type. Exponentielle de x plus 1 est une fonction strictement positive. Exponentielle de x positif plus 1 reste positif. Le nombre exponentiel de x là est strictement positif, comme moins 2 est strictement négatif. Cette dérivée là est strictement négative sur R. La fonction f est donc strictement décroissante sur R.